Bonjour et bienvenue sur Vidéo Formation. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment appliquer un contour lumineux autour d'un texte. Créer un nouveau document, fichier, nouveau, contrôle plus N. Je vais mettre 253 sur 43. Je clique sur OK. J'obtiens ceci. Je vais me mettre ici en noir en premier plan, en basculant. Je clique sur le pot de peinture et je mets en noir. Ensuite, je vais double-cliquer pour libérer le calque et je vais mettre un texte ici. Qui va prendre à peu près toute la taille de mon petit bandeau, mais je m'assure tout d'abord de me mettre en fond blanc, en premier plan. C'est ainsi que je tape mon texte et ensuite je vais déplacer mon texte de manière à le positionner à l'endroit désiré. Une fois fait, je vais dans filtre, puis je vais aller, si je le désire, mettre un contour ancré. Je clique sur OK. Je peux choisir le contour que je veux. Je vais prendre Sumi E. OK. Ici, je ne vois pas le texte. Ce n'est pas grave. Nous sommes bien dans le calque de texte. Je vais vous montrer comment incruster de la couleur. Vous allez ici. Tout d'abord, pardon, avant d'agir sur la teinte et la saturation, nous allons double-cliquer sur le calque de texte, donc ici. Dans les styles de calque, nous allons apporter ici un contour avec incrustation de couleur, une ombre portée, une lueur interne et encore un effet de contour. Et nous obtenons le résultat désiré avec un contour lumineux. Je clique sur OK. Ensuite, si je le désire, je peux aller ici, créer un calque de teinte et de saturation pour aller changer la lumière à l'intérieur et vous obtenez un peu un texte qui ressemble au néon lumineux que vous voyez sur les échoppes, les boutiques et les magasins. À vous de choisir le résultat que vous désirez. Lorsque vous êtes satisfait, cliquez sur OK et enregistrez votre résultat. La formation est terminée, c'est à vous.